Le 86e numéro de Jeudi Jose, délocalisé à Cara, a tenu ses promesses le 13 juillet à Tilutulab. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a réuni des jeunes entrepreneurs, étudiants et apprenants de la région autour du thème « L'entrepreneuriat, outil de création de richesses et d'emplois pour les jeunes ». C'est pour un peu les montrer l'importance de l'entrepreneur dans leur vie. Nous sommes arrivés à un moment où il n'y a pas d'emploi. Et comme je l'ai dit, quand il n'y a pas d'emploi, il faut chercher son emploi. Et c'est dans la démarche de création de son propre emploi qu'il va créer son entreprise. Et c'est ce processus-là qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc c'est cet aspect-là que nous avons développé, mais avec aussi un accent particulier sur l'innovation comme un véritable vecteur qui va permettre d'induire de la richesse. Les différents participants ont approuvé l'idée d'innovation dans l'entrepreneuriat qui nécessite des financements. Je suis entrepreneur dans l'agroalimentaire. Et chaque entrepreneur doit innover dans son domaine pour répondre aux besoins de l'heure. Donc, l'innovation fait découvrir plus l'entrepreneur. Avec l'entrepreneuriat, on peut réussir à non seulement assurer ses besoins, mais avoir des bons revenus plus tard. Je suis développeur d'applications mobiles. Quand on est à ses débuts, en général, on n'a pas d'accompagnement, on n'a pas de financement. Donc, ce financement de début-là peut plutôt être un blocus pour le développement d'un jeune entrepreneur. Jeudi Jose est une plateforme d'information et d'échange sur l'entrepreneuriat des jeunes, initiée par le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, FAIEJ. Elle vise à renforcer les capacités entrepreneuriales des jeunes dans les différents secteurs d'activité.